Ah non, 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 il y a plus qu'un chien là. Je croyais, je croyais, je croyais. Salut à tous, c'est Swanton, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors du coup, on venait de faire la horde, j'avais posé toutes mes graines pour les arbres, là, pour qu'on teste, savoir lesquelles sont buggées ou pas. Donc là, je voulais commencer un petit peu, savoir où est-ce que j'allais placer la maison. Je vais aller chercher les blocs que j'ai besoin. Vite fait pour délimiter à peu près, vu qu'il est 4 heures. Je vais faire ça jusqu'à 6 heures. On va se faire une mission et dans la nuit, on commencera à monter un petit peu la maison. Pourquoi je suis bloqué? Merci beaucoup. Alors, en bouffe, on n'est pas dingos. Je vais lancer du café. Même en bois, on n'est pas dingos. Ok. Alors, ça commence déjà pas trop mal. Voilà, on va se faire 10 de café. On va même s'en faire 20. Voilà. Alors, je regarde la composition rapide. Pommes de terre, épis de maïs. On va en avoir bientôt, donc on va regarder ça. Alors, je m'étais crafté normalement, voilà. Un peu de parcelles cultivables. On se les mettra ce soir aussi. Ok, bon bah je vais aller me faire une petite session de bois rapide. Bon allez, je vais aller me chercher un peu d'arbres. Histoire de les plus près. On voit rien dans cette purée de pois. Est-ce que c'est... Bah non, ça a pas dû pousser depuis. Par là, il doit y avoir des arbres un petit peu. Ouais, allez. Je vais m'en prendre à peine 1000. Et on se reprend juste après. Cet arbre est invisible. Bon, on est à 1300. Je termine celui-là et je me fais des blocs. Voilà, je me fais un peu de blocs du genre... Moi, je peux en faire 700. Allez, je vais en faire 500. Ou même en début d'après-midi, on va faire qu'une seule quête. J'aimerais bien aller chercher du charbon. Je crois que j'en ai sur la map en plus. Voilà, charbon. Bon, je vous explique le programme. On va aller chercher du charbon. Là, je vais faire une quête. Après, on va chercher du charbon. Après, on commence à délimiter un petit peu la maison. On s'installe des parcelles aussi, parce que franchement, ça serait cool. Voilà. Le trader va pas tarder à ouvrir. Ça tombe très bien. Je me range tout ce que j'ai à me ranger. Oh, j'ai pris du coton. Alors ça, c'est vraiment stylé. Non, je déconne, évidemment. Voilà, c'est pour ça. En fait, là, j'aimerais bien activer toutes mes forges avec le charbon. Ça m'ennuie de prendre du bois tout le temps. Et là, j'ai plus une goutte de charbon. Donc, je remettrai les forges à tourner quand on aura récupéré un peu de charbon. J'ai dit beaucoup de fois charbon, je vous l'accorde. Allez, petite moto. J'avais une moto à l'époque. Ah, oh, je suis venu avec. Et j'ai complètement oublié de la reprendre. Je l'ai fouillé cette... Eh ben non. Voilà, évidemment. Oh. Ok. Du coup, ouais, monsieur la moto. Allez, on va voir le trader. Il restock demain d'ailleurs. Donc ça peut être franchement cool. On n'oublie pas que si j'ai le crucible, on change complètement de véhicule et on va dans le désert. Je vous le dis, on trouve le désert absolument. Oh, si je dis pas de conneries, normalement, il restock que demain. En sachant que je dis rarement de conneries. Ok. Pour une fois, j'ai bon. Je crois que j'avais fait le tour de ce mec-là. Allez, donne-moi plutôt une mission. Oh, on est dans les level 4, là? Oh. Oh, ça, c'est propre, ça. Qu'est-ce qu'on a? Country Business 05, ça me dit quelque chose. Je peux plus vous dire. Oh, bah, on va se faire celle-là. Niveau 4, 350 mètres. Franchement, ça vaut le coup. Les autres sont un petit peu plus loin. Quand on aura le crucible, je pourrais les prendre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, et relève-toi au moins. Ouais, bon, bah, tu relèves pas, laisse tomber. T'embête pas avec ça. Allez. Alors. Ah, c'est encore cette mission. On l'a faite il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est celle où il y a la bibliothèque et on descend ensuite dans le grand laboratoire. Même si je l'aime beaucoup. Je vais me ranger ça. Voilà. On est bien. Je vais me recharger ça. Et je crois qu'on l'a déjà faite. Ouais, évidemment. Allez, c'est parti. Ah, sauf que là, cette fois-ci, on peut récupérer un peu de laiton. Et vu le nombre de portes qu'il y a ici. Ah ouais, ils sont pas censés. Je sais pas pourquoi ils me détectent d'aussi loin. Bon, après, c'est pas très grave. Oh, les gars. Les gars. Les gars. On se calme. Ce qui serait cool, franchement, si t'as à voir la bibliothèque, ça serait de récupérer le bouquin 6, je crois. Pour le combat de barre. Non, donc c'est pas le 6, c'est le 7. Voilà. Ça serait franchement cool. Parce que là, je sais que quand je prends la bière, c'est vraiment horrible. La vue troublée là. Est-ce qu'on a la chair pourrie? Excellent. On va en avoir besoin pour manger là. Très très bientôt. Ok, je fouille la cuisine vite fait. Bon, y a pas grand-chose de ouf. Oh, de la viande. Ça peut être cool, parce qu'il me reste que un tacos. J'entends des zombies, je les vois pas. Ah bah, le voilà. Relève-toi. Ok, bon, allez, viens avec toi. Voilà, bon. Continuons, continuons. Oh, la farine de maïs, je vais la prendre. Je sais plus quelle recette j'ai avec, mais oh non, alors les boîtes de conserve, je vais les garder parce que j'en ai besoin pour faire ça et ça, je peux en faire un peu. Ah ouais, toi tu direct, tu connais pas les portes. Chut, arrête un peu, tu fais trop de bruit là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais. Ah, de la chair pourrie, c'est cool ça. Ok. Ensuite, il n'y a plus rien de caché. Ouais, là où il y a un petit. Il y a un petit carton, mais franchement, j'ai. Un peu la flemme là. Alors, par contre, on va se. Je l'ai déjà prise, ok. On va se prendre les portes, toutes les portes, absolument. Le laiton, c'est juste la vie. Ça, on s'en fout. Les légumes, là, les légumes, vraiment, franchement, j'en ai vraiment plus trop besoin de récupérer les graines ou quoi que ce soit. Sauf peut-être les graines de houblon. Oh, magique ça. La tarte à la citrouille. Ok. Je sais même pas si j'ai planté. Oui, je crois que j'ai planté un peu de citrouille, mais j'en ai vraiment, vraiment pas beaucoup. Bref. Alors, t'es qui toi? Oh, un flic ici. Tu t'es perdu? Ok, j'ai cru qu'il allait complètement exploser. Et franchement, j'avais pas envie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, un casque de. Bon, allez, on va le recycler vite fait. Ensuite. Les plumes, on est toujours d'accord que c'est de la merde. Ça. Ça, je crois, c'est du laiton. Et, parce qu'il y en a deux sortes de poteaux comme ça. Et certains, c'est pas du tout du laiton. Je me suis perdu. Ouais, c'est par là. Ok, on va fouiller ici.
Alors, si on peut se faire le flic. Headshot. Même en headshot. Voilà. Il y en a pas un là-dedans, normalement. Non. Ok. Bon. La porte va sauter. Ça aussi. Oh, mitrailleuse à tuyau level 6. Alors ça c'est cool. Oh, la pierre, est-ce que j'en ai sur moi? Bon, je l'ai jeté tout à l'heure, ok. On a fait la moitié de la mission, on a au moins déjà récupéré la sacoche. Poignée de porte, ça va être cool. On a combien de poignées là? 10 poignées de porte sur nous. Franchement, ouais, alors ça, on recycle en plomb. Encore un flic? Il y a un flic quelque part, je sais pas où, mais il est dans le coin. Ah non, c'est pas un flic. Ok. Beaucoup de bruit, pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a jamais rien et à chaque fois je me fais avoir. Ensuite, ah, on va choper un peu d'acier ici. Encore, ouais, je les recycle. Que franchement, je m'en fous. Alors, je voulais absolument pas prendre ça. Le papier, on s'en fout. Encore un peu de laiton. Donc les bocaux, je vais les garder aussi. Et je pense même que je vais faire un deuxième feu de camp. Histoire de d'accélérer un peu la rentabilité. Genre d'un côté je cuirais la viande et de l'autre côté je cuirais la flotte. Attendre tout le temps, c'est un peu chiant. Ok, oh, les boîtes de conserve, on se met bien. Bon, en vrai, le jeu en donne beaucoup et d'habitude, je les recycle tout le temps. Mais là, les temps ont changé. Ok, allez, on va se prendre ça. Un d'acier. J'ai récupéré un d'acier. C'est pas pas dingue quoi. J'ai connu franchement mieux. Oh, de ça c'est cool. Ok. Oh si on peut. Ah mais on peut choper le schéma du crucible. On n'est même pas obligé d'avoir le crucible. Alors je crois qu'il y a Gollum. Voilà. Calme-toi. Je suis là ouais. Extrêmement rapide. Voilà. Tu ne m'embêteras plus. Je vais péter ça. Voilà. Deux de plastique. Ok, il n'y a rien du tout. Pardon. Petit bug. Toujours plus de laiton. Allez, les bibliothèques. Ok. Ok. Alors franchement, en papier, on s'est refait. Allez, c'est vidé. Ouais. Le maïs. Ouais. Pour l'XP. Ah, outil diamanté. Ah, putain. Le truc le plus pourri. Oh, voilà, le mode diamant, on s'en fout un peu. Allez, il n'y a pas d'autre chose de bien? Ouais, du papier, excellent. Merci beaucoup.
La poignée, oh, ouais, pourquoi pas. Même si je joue pas le fusil à pompe et le minage outil diamanté. Ok, c'est sympa. Là-dedans, je sais plus. Il y a encore des bibliothèques. Ah, il y en a une là-haut. Je vais aller voir ça. Il n'y en a qu'une? Wouah, toutes ces rangées de bibliothèques pour une seule. Allez, un bon truc. Merci beaucoup. Alors, là-dedans, un petit shotgun. 22 balles. Je vais recycler. Je vais recycler. Oh, bah ça, on va se l'installer directement. Dans quoi je peux me la mettre? Ouais, je vais la mettre là-dedans. Voilà. Parfait. La chair pourrie, je conserve, évidemment. Moi, j'ai oublié le sac, là-haut. Alors, la pierre à pavé, on la prend, parce que la maison... On va essayer de la passer assez rapidement en pierre à pavé. Là-dedans, hormis des cartons, il n'y a que ça. Il n'y a rien de caché, que dalle. Alors, je vais le recycler, ça, franchement, ça me sert à rien. Alors, j'entends un zombie, mais je vois absolument pas où il est. Et la telle, là, je vais la garder. Parce que je préfère, quand même. Ok, alors si jamais on est encombré, on l'utilisera. Et ça sera pas pire. On va se boire un coup, même un deuxième, je crois. On va se manger le dernier tacos. Alors, d'ici là, normalement, je sais plus combien de temps il faut pour que ça pousse. Je crois qu'il faut 2 jours, il me semble, un truc dans le genre. Mais ouais, ça devrait pas trop long. Après, on aura de la vraie bouffe. Et ça, franchement, ça fait la diff. Alors, on va descendre par là pour éviter... Je crois que je suis suivi. D'où t'es réveillé, toi? Ok. Bon, eux, ils ont le temps. Oh! Ah non, toi, oui, d'accord, t'as pas le temps, toi. Toi, t'es rapide, toi. T'es rapide, mais t'es mort. Oh! Cette chute dans l'escalier, c'était pas ouf. Ok. Allez, je vais aller chercher la petite caisse là-haut. Ouais, sans tomber, c'est mieux, quand même. Alors. Ouais, pièce de roquette. Ouais. Alors ça aussi, ça donne du laiton. On donne pas beaucoup, mais... Ouais, donc les portes bleues, ça donne pas beaucoup de laiton, mais il y a tellement de portes bleues. Alors lui, ouais, y a tellement de portes bleues dans le jeu que franchement, c'est rentable de les prendre. Ah, au moins au début, parce qu'après, effectivement, on a beaucoup trop de laiton. Est-ce que celle-là? Non. Wow, chapeau de cow-boy. Bah, tu vas rester ici. Voilà, 6 de laiton. Alors c'est ultra variant, parce que le premier j'en ai pris 2. Ultra variant ou ultra variable? Ouais, on est mieux dans ultra variable. Ah oui, je me souviens qu'on l'a déjà faite, parce que ici, j'étais dans le speed, il devait être 21h je crois. Il y a beaucoup de... De jaune là.
On n'a pas de points. Non. Ok. On va se prendre l'essence parce que pour l'instant, on est toujours à court. Bon, il est un peu trop énervé à mon goût. Viens là. Oh! Le gifle. On déconne. Voilà, une gifle contre une tête. Bon, alors la dernière fois, j'avais rangé la K-47 dans cette mission. J'ai voulu retenter l'expérience. C'est plus ou moins mal passé. Ici, il n'y a vraiment rien. Hein? Créer des passages pour rien mettre dedans. Donc ouais, la dernière fois, ça s'est quand même assez mal passé. La dernière fois que j'ai tenté de cacher la K-47. Donc là, du coup, par principe, pour éviter de taper un aller-retour, vraiment, je vais le garder. Alors là, par contre, alors, désolé pour la vision que ça va faire. Mais ouais, bon, ça court en balle en plus. Ok. Il n'y a que des yeux jaunes. Je t'ai pas oublié, toi. Pour lui, meurs jamais, toi. Voilà. Bon, j'aurais pu effectivement ranger la K-47, mais par précaution, quoi. Ok, c'était vraiment pas terrible. Ah, le loot! Oh, le loot! Level 4. Oh, je prends toutes les pierres à pavé. Rien de très intéressant. Et là, je casse toutes les caisses là. Et on les fouille juste après. Ok, graines de champignons. Oh, un bécher, ça, c'est... Bah, franchement, est-ce que ça se vend? Ouais, 110 balles, ok. Les béchers, merde, tant pis. Je commence à les stocker de fou, quoi. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, on s'en fout. Alors, là-dedans. Ok, au pire, je peux me la placer sur la... Si jamais je manque de place, là-dedans, il n'y a rien. Oh, du charbon. Ouais, ça, au pire, je m'en tape. Ah, je l'ai pas prise. Les chaussures, ouh, de haute performance. Génération d'endurance et de course, plus 20%. Ah, je savais pas qu'il y avait des... Ok. Ouais, je vais les garder. Je vais virer la... Merde. Je vais virer ça, c'est pas très grave. Bon bah ça du coup je vais les recycler aussi. Ça je vais le garder au cas où je récupère un truc. Oh, allez, la colle, on s'en fout. Ouais, si je récupère un outil avec lequel je peux mettre dessus. Ah quoique, non, je peux. C'est quoi? C'est brise-fer? Un brise-fer, bah voilà. Je vais le mettre là-dessus. Et voilà, je gagnerai un peu plus de fer. Bon bah. C'était pas dingue. C'était pas dingue du tout. Le trailer, j'espère qu'il va nous mettre bien. Parce que je vous le dis direct, dès que j'ai le crucible, c'est, ça va être ouf, quoi. J'aurai l'hélico. Et ouais, la vie sera complètement différente. On va aller chercher du charbon. D'ailleurs, en essence, ouais, on n'est pas ouf. Quoique je... Oh! Attendez. Là, il y a pas mal de trucs. Je vais me ranger ça. Pas d'œuf. Ouais, 2 œufs. C'est pas... C'est vraiment pas énorme du tout. Bon, allez, on file au trade.
Allez, donne-nous un truc super stylé. Ah bah, conserve de saumon, je vais l'acheter. La bière. Ah oui, j'ai récupéré des... Ok, conserve de pâte, ouais, je prends, évidemment. La bière, non. Par contre, les conserves de chien, oui. Je suis pour. Ah, du coup, je vais les recycler, j'en ai plein à la maison. Allez, donne-nous un truc méga stylé. Allez. Je crois que j'ai le casque level 4, il me semble. Ouais, voilà. Moi, je vais lui prendre le 5. Merci beaucoup. C'est laquelle qu'on vient de faire? Ah, ok, ouais, on va la prendre. On va tester. 1,3 km, c'est pas non plus dingue. Elle est où sur la map? Oh, elle est chez le marchand 2. Oh, ça va, c'est vraiment, vraiment pas loin. Je change mon casque. Ouais, je vais même lui vendre. Oh, mais de rien, mon garçon. Et ben voilà, parfait. Allez. On va aller chercher un peu de charbon. Wow. Il faudra quand même... Avec le bois qui reste, je vais essayer d'améliorer ça. Au pire des cas, je le ferai en off. Je sais pas... C'est pas très très intéressant. Ok, alors on va se laisser l'oseille dedans. 5000 d'oseille, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça commence à remonter un peu. Ouais, du coup on a plus rien à manger. Ça c'est dommage. Ah si, je peux me refaire des tacos. Il faut, ah oui, de farine. Alors on va se relancer ça. Même, alors il faut vraiment que je sorte le fer. C'est blindé en fer. Donc celle-là, je vais pas la rallumer du tout. Et ça, ouais, ça sera pas mal. Ah, j'ai ma deuxième. C'est parti. Ouais, je vais prendre une grande bouteille. Ah, je vais prendre ça directement. Voilà, on s'en sert jamais et franchement c'est assez efficace. Ah là là, j'ai de l'essence. Je l'avais pas vu la dernière fois. La composition de la tarte à la citrouille, c'est quoi déjà exactement? Deux citrouilles, un œuf, une farine, une graisse animale, une bouteille d'eau. Oh, ça va! Ah franchement c'est correct. Je vais me placer ça là, juste histoire de... Je reprendrai dès que possible. Voilà, on va se mettre la foreuse ici. Je vais aller chercher le charbon qui est juste ici. En espérant que je vais pouvoir miner peinard. Est-ce que j'ai le bouquin pour le café? Non. Donc je vais m'en prendre 6000 en fait. Je me prendrai bien aussi un peu d'argile. On est full en essence, enfin on est pas trop mal en essence. Bon, je vois pour le charbon et... Bon voilà, on est à un peu plus de 6000 parce que j'ai voulu finir le bloc que j'avais commencé. Mais ouais. Donc du coup, je vais me prendre un peu d'argile aussi dans la foulée. Je vais essayer de reprendre le trou que j'avais commencé. Je crois qu'il est par là-bas. C'est très bien. En plus, j'en ai déjà pris 600, il m'en faut allez, 6000 grand max. Comme ça, on se fait de la pierre à pavé. Et on va, après, on va commencer à regarder un peu ce qu'on fait pour la maison. Donc ouais, on est à plus de 6000. Alors, on va rentrer gentiment. Je vais aller me chercher les blocs. D'où tu viens? Attends.
Voilà, et merci à toi. Voilà. J'ai collé 2-3 arbres quand même. En vrai, quand ça va pousser, ça va faire tout bizarre. Oh, est-ce que c'est déjà planté? Planté, oui. T'as déjà poussé? Ah non. Ah, il va manquer. Ah, en fait, ouais, ça pousse en une journée, quoi. Ah, on a de la citrouille. On en a qu'un. Un seul plant de citrouille. Ça, on est bon. En vrai, il nous manque pas grand-chose hein, pour commencer à s'estimer. Ok, alors. Ça, on va ouvrir. Voilà. Ah, en pierre à pavé, on est bien, en fait. Du coup, je vais prendre ça. Je vais me prendre ça au cas où. Je l'avais mis. Très bien, j'avais mis dans la bouffe. Je me range ça. Je vais garder un peu d'essence pour la moto parce que je crois qu'elle en a plus du tout et je trouve ça moche. Ok, on peut se faire un deuxième générateur comme ça. Je vais me le crafter maintenant. Je sais plus ce qu'il faut, mais c'est franchement pas grand chose. Voilà. Parfait. Et dans la foulée, si on peut se faire la porte de garage. Porte de garage. Porte de garage. C'est en alimenté ou pas? Bon, je sais pas faire les portes de garage alimentées. Ça, c'est dommage. Mais ouais. Au pire des cas. On attendra, je la mettrai plus tard, je vais en mettre une en bois en attendant. Ça. Je voulais le ranger. Voilà. Est-ce que je peux passer quelques trucs ici pour finir au moins le niveau? Voilà, donc j'ai passé quand même un bon petit paquet de trucs. Là, déjà, tout ce qui est là, c'est en bois. Donc là, ça veut dire que vraiment, il reste vraiment que le morceau du toit et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Ah, attendez. Je viens de penser à un truc là. J'ai la foreuse. Parce que pendant la horde, ils avaient tendance à aller sur les bords là, comme ça. Je modifie vite fait pendant que j'y pense parce que je me connais. Je vais zapper après. Je vais juste. Attendez, on se rejoint là-haut et je vous explique. Donc voilà, en gros, ils avaient tendance à aller sur ce mur-là. Ou sur ce mur. Alors du coup, pour éviter qu'ils y retournent. Je ferais bien ça. En gros, voilà l'idée. Je mets un poteau dans un sens un petit peu mieux. Voilà. Et le même de l'autre côté. Voilà, dans ce sens-là. Et pareil de ce côté-là. Comme ça, déjà, même s'ils arrivent... Ah, je tenterai bien. Bon voilà, ça s'est passé, au moins. Je fais les changements et on se reprend juste après. Donc voilà, je pense que même s'ils arrivent jusqu'à là, le temps qu'ils tapent dans le mur, je pense qu'ils vont tomber. Et du coup, ils feront beaucoup moins de dégâts. Ou alors, ils vont pas rester bloqués ici. Et je serai pas obligé de leur tirer dessus. Alors, on va faire la même ici et là. Ici aussi et là aussi. Là-bas, là-bas, je vais voir pour modifier. Il y a moyen, je pense. Et voilà, je fais ça de mon côté et on se reprend juste après. Voilà, j'attaque le dernier. Voilà, parfait. Je l'améliore. Et voilà. Alors je testerai avec les zombies. Alors normalement, ici, je peux peut-être... Il y a peut-être moyen que j'enlève le bloc complètement. Je pense que ça tient quand même. Parce que là, si je mets... Ah, quoique, si je mets un
auto ici. Voilà, dans ce sens, je peux complètement retirer le bloc. Je vais tester ça. Je testerai. Donc j'enlève les deux blocs qui sont là. Ok, bon, ben rien non plus. Alors ici, je vais quand même me mettre des petites arches. Histoire de terminer un petit peu le truc. Ouais, je vais mettre celle-là. Voilà, dans ce sens, c'est très bien. Voilà, parfait. On aura toute l'occasion de tester, mais je voulais le faire maintenant avant d'oublier parce que vous connaissez l'histoire. Allez, maintenant, lui. Oh! Je crois qu'il est mort. Ok. On va aller se balader dans la petite forêt là qui vient de pousser. Elle est magnifique d'ailleurs. Et on va afficher les FPS. Et bon, hormis le fait que l'animation des armes, là il y en a quand même 80, elle est pas trop vilaine. Voilà, alors j'ai même pas envie de tester avec les autres. Je pense sincèrement que les autres armes sont buggées, c'est sûr et certain. Voilà, donc j'ai la réponse. Alors du coup... Non mais dis donc, voilà, comme ça on sort... Ouais, quoique ça serait dommage de pas sortir devant le trader. On utiliserait la route pour récupérer la maison. Donnerait un côté un petit peu plus classe. Donc en gros, on pourrait commencer d'ici. En gros, j'arrive de là en 4x4, admettons, ou peu importe. Je rentre dans ce garage. Le garage, c'est 5 sur 3. Alors, je sais pas. 3, 4, 5. Donc je peux décaler de 1. Voilà, parfait. Donc du coup, l'entrée du garage sera ici. On va juste enlever ça. Alors je sais pas trop si j'élève la maison de 1. Ou alors je la mets à même le sol. Alors faut que je retire le poteau aussi. Parce que en attendant la petite clôture là, on peut l'utiliser. En gros, c'est 5 sur 3. Donc on monte de 4. Et on va monter de 5 du coup. Donc ouais, voilà. Je sais pas trop si je mets le garage à ce niveau. Et je lui fais grimper. Mais du coup, en fait, à chaque fois que la voiture, quand je passerai, il y a peut-être moyen que je pète le bloc. Admettons que ça c'est trop raide. Et je prends ça. Je peux tester avec la moto. De toute façon, ça sera exactement la même chose. Voilà. Alors si normalement, si elle passe, sans faire de dégâts évidemment. Alors en fait, la forêt qu'il y a ici, je vais la garder. Je vais la faire un peu plus propre quand même. Je mettrai moins d'arbres, évidemment. Ok, je ferai des petits passages dedans et je mettrai des citrouilles lanternes. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah si, les jack-o'-lanternes, pardon. En gros, ça fait peur aux zombies. Et en fait, l'idée, c'est que j'en fous un peu partout dans le chemin. Et comme ça, quand je vais récolter mon bois, je suis sûr qu'il n'y a à peu près aucune surprise. Sauf évidemment ceux qui me détectent depuis 150 km. Voilà, la moto, on va aller tester ce que je voulais. Parce que si ça prend pas de dégâts, franchement, je surélève. Ça m'évitera de miner pendant 5 jours. Ok, ça fait absolument rien. Voilà. Bon, bah parfait. Alors, je vais commencer à améliorer ça. On va attendre. La nuit, on va commencer un peu là, les fondations de la maison. Bon, voilà l'idée, à peu près. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair. Donc, en gros, je fais le garage. Au-dessus du garage, on va se mettre les plantations. Enfin, au moins les 120 trucs qu'il nous faut. Après, au pire des cas, je trierai selon le toit du garage. En fait, je mettrai les importants au-dessus du garage, les moins importants peut-être au-dessus de la maison. Pour faire un peu de verdure. Je commence à améliorer un peu ça là. Il faut que je vois combien ça fait. 1, 2, 3, 4.
Donc là, on est bon. Voilà, parfait. Ah, on n'a plus de bois. Ça, c'est pas très cool. Le jeu ne veut pas. Bon, allez, je vais poser ça pour voir à peu près. On va se faire une fenêtre au moins. Du coup, là, je vais remettre un bloc. Voilà. Donc, du coup, de l'avant, ça nous donnera. Enfin, c'est la fête au loup ou ça se passe comment? Voilà. Voilà, en gros, ça va nous donner un truc comme ça. Ils font exactement la même taille, mais ça se voit beaucoup moins. Ok, allez, on continue. On essaiera de se faire un accès aux mines ou une nouvelle mine à partir de la maison ou du garage. Comme ça, même si les hurleuses sont appelées ou déclenchées, ça ne posera pas trop de problèmes. Cinq sur quatre, intéressant. Ah, 7 sur 4, ça peut être pas mal. Bon, je vais en crafter deux et je vais voir. Au pire des cas, je modifierai l'entre eux. C'est pas très grave. Je vais prendre la moto. Il n'y a pas de raison. Ouais, donc du coup, je vais crafter les deux portes pour voir celle que je vais choisir. On verra bien. Et je vais chercher un peu de bois. Et on se reprend juste après pour finir plus ou moins le garage. Pourquoi je peux pas? Salut toi! Bon, déjà, il a pas l'air de vouloir partir sur les côtés. Alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de réparations. Mais alors si en plus... Ah merde, voilà, j'ai pris du charbon exprès pour pas mettre de bois. Et premier réflexe, je mets du bois. C'est juste pour appeler les hurleuses en vrai. Hein, le but ne sert qu'à ça. Alors, la porte de garage, pourquoi? Ah, il me manque les ressorts. Ok. Alors, ça c'est bon. Et la deuxième, elle est 5 sur 3. Qu'est-ce qui me manque? Ah, le fer forgé, il en... Ouais, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. T'inquiète. Alors, voilà, parfait. Ouais, du coup, il faut attendre quasiment une demi-heure pour avoir les portes. Donc, du coup, bah, je les installerai la prochaine fois. Et je pense que avant la fin de la soirée, on va pouvoir se crafter des... Du coup, ouais, je vais me chercher du bois. Et on se continue ça. Il y a encore un loup. Ouais. Ah, par contre, celui-là était feral. Je l'ai quand même sacrément abîmé. Bon, allez. Voilà, bon, j'ai récupéré 1000 de bois. On va faire ce qu'on peut déjà. En gros, pour l'instant, pour le moment, du coup, même, ça va devenir ma salle des coffres principale, plus ou moins. Je vais mettre un petit coin avec des foreuses. Des foreuses, des forges. Du coin avec des forges, je vais mettre deux établis, l'atelier de chimie que je mettrai dans un coin, et un paquet de coffres, histoire de bien retrier le truc, parce que là, ça, enfin là-haut, c'est un peu le bordel. Alors, en gros, ici, je le fais comme ça. Ah bah, parfait. En gros, ici, ce sera la porte pour la maison. Voilà. Alors, ici, on va se faire pas mal de fenêtres. En gros, l'idée, c'est ça. Donc là, j'irai chercher la porte. La porte qui sera, du coup, ici. Donc du coup ici on peut complètement arrondir l'angle. J'aime bien ces arches. Voilà. Parfait. J'améliorerai la façade un peu quand même. J'aurais bien envie hein, de réparer ma pioche, ma hache. Ok, donc en gros je vais améliorer au moins dehors le bord des bords là parce que... Oui, alors si je prends comme ça, c'est pas bon. Parce que là, si les zombies débarquent, franchement,
franchement, ça va être compliqué. Ils vont absolument tout péter. Donc on va se mettre les portes. Mais je vais me la crafter maintenant en même temps. Je vais mettre une porte comme ça parce que j'ai rien pour la faire en fer pour l'instant. Voilà, et ça c'est la porte qui donnera accès à la maison. Je sais pas si c'est plus logique. Bon, si, certainement. Voilà, j'ai déjà passé quasiment tout en bois, hormis ici. Voilà, alors je vais passer tout en pierre à pavé au moins. Moi j'aurai jamais assez, mais on va essayer. Alors je vais aller chercher un peu de pierre à pavé. Et je crois que le champ est prêt. Donc ça c'est encore bien aussi. Ouais, complètement. Tout est prêt, c'est génial. Donc du coup je finis tout ce qu'il y a en pierre à pavé là, à faire. Je continuerai petit à petit d'améliorer la maison et d'améliorer aussi un peu la base. J'ai pas oublié. Ouais bah on va pouvoir se les placer en fait. Je vais agrandir de 1 peut-être. Parce que là du coup en fait ça va être... Oh quoique. Ça fait 3 de hauteur. On est pas mal. Qu'un garage en fait. Voilà, on a amélioré la porte et ça. Alors du coup, on va essayer de se faire. Et on va essayer de se faire ça. Hop, voilà. On va se ravancer un peu à des endroits. Ça va vite dégager. Voilà. Je prends ça et je file. On a toujours pas les portes. Okay. Allez, on va se terminer au moins le toit du garage. Alors, on va virer ça. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Alors, ouais, il va m'en falloir un gros paquet. Mais j'en ai là-bas. Du coup, je vais aller me chercher ça. Et au pire des cas, j'irai me faire un ours ou deux dans le... Ok, voilà, j'ai tout récupéré le champ, je vais me le placer là-bas. Je pense même qu'il va m'en manquer de toute façon. Mais bon, voilà, faut bien commencer quelque part. Je ne vois même pas à 3 mètres. Ok, allez, je mets ça vite fait. Voilà. On peut s'en faire deux de plus, du coup ça nous en fait 3. Ça, c'est la même. Ça, on s'en fout. Ça... C'est pareil. Là, on peut en refaire une. Là, on peut... Ouais, si on peut en faire 5, parfait. Ça m'en fait 10, c'est très bien. Le café. Les myrtilles. Ok, qu'est-ce que tu veux, toi ? Alors, j'ai pris un niveau tout à l'heure là en améliorant la base. Je vais l'utiliser. Voilà, c'est un peu plus lourd que les blocs de base. Donc voilà. Je veux juste que ça se pète pas la gueule. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop, on peut se mettre ça. Mais là, pour l'instant, on a un nouveau objectif. Et c'est d'aller voir le trader absolument. Parce que moi je veux ouais alors par contre on va juste se faire ça 2 secondes pour l'instant on n'aura pas mieux mais voilà. Voilà je me mettrai les graines
tout à l'heure. On n'a pas un coffre. Oui, voilà. Au pire des cas, voilà. Je vais me faire ça. Faire un coffre. Je vais ranger. Voilà. Je les ai gardés pour me faire un peu de nourriture. Ah, je peux en faire 15, ça c'est dommage. On ira. Si je prenais l'argent. Éventuellement. Il me vend des œufs, évidemment. Bon, j'ai 3 jours pour lui acheter. Oh, le schéma des outils en acier. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Avec le cliquer et tout. Moi, je regarde pour être sûr, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Bon, lui, on reviendra à l'occasion. Alors maintenant, on va se faire le marchand 2. Marchand 2, c'est parti. On se rejoint là-bas directement, sinon l'épisode il va faire 150 kilos. Allez, on se rejoint là-bas directement. Bonjour à toi, allez, donne-nous ton inventaire. Oh, le hot dog au chili, ouais, je peux me permettre. Ok, rien de... Wow! Le schéma du point américain. Oh, c'est 2004. Voilà, on a 2009. Voilà, on est bien. Bon. On a déjà les points américains, et ça, c'est cool. J'ai craqué. Allez, on va voir le marchand 4, du coup. Oh, il y a un ours. Très bien. Allez, viens là, toi. J'ai cru il allait jamais mourir. Et alors, attends. Ouais, je comprends, je comprends. Pas ça qu'on cherche. Ok, ici y a rien. Ok, y a quand même pas mal de schémas qui m'intéressent et ça. Bon allez, on va voir le marchand 3 du coup. Ouais, ça va, il est pas si loin. On suit la route, on se met bien. C'est pas ouf. Allez, allez, allez. Donne-nous un truc super stylé. Une poche d'armure, mais je m'en fous. Ouais. Du... Ah, soit... ouais. Non, c'est pas assez. Il m'en faut 180 petites. Ça. Ouais. Non. Allez. Moi, que t'as quelque chose d'intéressant au moins. Non. Ah, mais toi, t'as vraiment rien. Ouais, t'es la pire de tous, quoi. Vraiment. Tu... Non. Donc du coup, voilà. Alors on va se lire ça. C'est quand même assez important. On va mettre cardio. C'est pas trop mal cardio quand même. J'aime beaucoup cardio. On se met cardio. Et voilà. Donc je ferai le retour en off, je pense. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu et à bientôt.